98. Ok. On retrouvait mes cuisses offertes sous ses yeux experts. Chacun accoudé à son comptoir respectif, contemplant mes faits avec gestes et minutie. Mais quelques clins d'œil m'ont peut-être trahi. J'aurais dû me prévenir que le manège était fini, insistant pas par simonie, sachant que j'allais sûrement me faire réprimander au mieux l'allier à ma cause. Mais comment reculer chacune de mes tentatives pour chahuter des pompes suffisamment réchauffées par mes entrecuisses? Posture acquise tout au long de l'année, aucun geste nul me viendrait à l'esprit comme celui de s'y plonger en toute hâte. Il vit simplement à mes oreilles, me glissant d'un air compatissant. Tu peux ranger ce que tu as entre les jambes. M'exécutant sur le champ, éventrant mon sac, jetant ma honte, le chaud parcourant mon corps, entendre les coups d'une classe terminale pleine à craquer. Se redressant ma direction, encre absorbée, laissé comme tel, mon boule de relique de rechic. Comment improviser, égaler la pensée d'un anabac, sans vocabulaire, des mots sans faute d'orthographe, bien tourné, régulier. Ma seule maîtrise se trouve à mes pieds, enfouie désordonnée dans l'obscurité, laissant ma boîte crânienne vide face à leurs neurones en ébullition. Lire, relire, faire à passer le temps, apprendre finalement sa leçon. Je ne pourrai pas remédier à cette pompe si soigneusement préparée tout au long de l'année. Réagir le lendemain, chercher des feuilles d'examen pour y écrire toutes les nuits mes dissertations d'élèves modèles. Prendre suffisamment de points, dernier obstacle, équilibrer avec le reste et m'échapper enfin de cette broyeuse. Fermer la porte de mes soucis, tenter d'ouvrir chaque porte de salle d'examen, insister jusqu'à la dernière très familière au point qu'elle s'offrit à moi de ses deux bras lumineuses. Au point culminant, toucher la chaleur, sentir l'odeur de la peur émanante ses chaises d'aluminium. Aluminium jaune au bois plié, à peine manipulé, enduit légère. Mon œil n'a fait qu'un tour, une pile de feuilles d'examen blanche de qualité inimitable. Mon effort était enfin récompensé, mais la partie ne faisait que commencer. Improviser le tout, sentir déjà le vent tourner, le vent commença dans leur camp. Le mien déjà en chantier, les distribuer, une voisine bien amoureuse, loin de ne pas endormir la nuit. Paquet récupéré alors qu'elle passait l'aspirateur dans un périmètre de 3 mètres carrés, entouré de mon sourire encadré, enfin plaqué sur un air insolite. C'est mes sujets sur la table et les avoir comptés. Seul exercice de la matinée, le temps d'une distribution, son de tourner trop fatigué pour articuler mon poignet, préférant mon tout sacrifier en prolongeant ma sentence. Pourtant l'erreur était sous mes yeux, ma mère entend bras folle de rage. Passer 4 heures à combler une carte du géographique de couleur flèche et autres légendes inspirées de ma mémé de quartier. Sa meilleure prestation, le pourquoi de notre rencontre, contre au lieu de recopier mon ignorant sous une calligraphie à pattes de mouche. Mouler ma carcasse en chaise, rendant torchon, calligraphie suspecte. Le jour et la nuit, passer le dernier, dépasser mon corps somnambule, jambes difficilement pliables. Me sortir à coups pieds, déposant ma nuit de zombie, se dire que mon chemin de croix commence à peine.